À l'aide d'un souffleur portatif, j'élimine tous les contaminants sur cette surface. Puis, je passe ma plaque vibrante calibrée à 2,2 tonnes. Je ne cherche pas à renforcer mon lit de pose, juste le remplissage des joints. Le lit de pose atteint sa densité maximale quand il est aplani. Je vais renforcer mes joints avec cette plaque vibrante, rajouter des granulats, les aplanir à nouveau, et voilà.